gang en quarantaine. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas retrouvé sur ma chaîne YouTube. Tabarnouche, j'avais pas vraiment d'inspiration, j'avais pas d'idée, puis on s'est entendu qu'être pogné chez eux, c'est comme... Je t'ai dit en plus, hey, je vois tellement faire plein de vidéos pis tout ça, mais seigneur que... Pff, cette histoire-là, ça me rend bien plus dépressive qu'autre chose, honnêtement. En tout cas, bref, aujourd'hui, on s'accompagne aujourd'hui, j'ai mon TV Now. C'est vraiment bizarre, ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé dans ma caméra, on dirait que je sais pas comment agir. Je voulais agir, genre, ben je voulais agir. Je voulais être comme full wouhou! C'est vraiment plate. J'aimerais tellement, tellement sincèrement travailler, vous comprenez même pas à quel point. Sérieusement, là, je me lève le matin, je fais de la vaisselle, je déjeune, je refais de la vaisselle, je fais des TikTok, je m'écrase mon cul sur le divan, je fais de la peinture. Sérieux. Pff. Fuck. Sur ce, je me suis dit, garde, il fait beau, on va se fixer. Oui, j'étais dû plaver mes cheveux parce qu'il était rendu gras que. Dit, m'ouvrir, non, je vais pas l'ouvrir là. Je me suis dit, je vais prendre une bouteille qui est déjà ouverte parce que anyway, c'était pour faire un TikTok. La vieille ferme. En québécois, on dit ferme. Je veux pas inciter personne à boire, mais tant qu'à rien faire, on va boire un verre de vin qui est déjà ouvert. Anyway. J'ai eu une petite révélation, comme je pense pas mal beaucoup de monde qui sont pas mal pris tout seul chez eux en quarantaine ou avec leur chum. Je faisais tellement de choses quand j'étais pas en quarantaine qu'il y a si bol qu'en ce moment, c'est pas utile. Que genre, je me rends compte que c'était pas utile partout. Donc, je voulais laisser mon ancienne intro, mais c'était en hiver, puis là, je commence à fondre, puis ça me rend bien heureuse, tout ça. Je voulais faire une nouvelle intro, mais je peux pas en ce moment pogner ici. Fait que, en parlant d'être pogné ici, je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis pas chez nous. Okay? Parce que j'ai un nouveau copain, on se dit dans une autre vieille vidéo que j'ai dit j'en parlerai pas trop, mais que j'avais commencé à avoir quelqu'un. Ben, c'est devenu mon chum, c'est devenu mon petit copain, ouais! Rose est enfin en couple après un an et demi de célibat! Très ardu, ça, ouais, ça a été très dur. Ben, ça a pas été dur à être célibataire. Ce qui a été le fun, c'est que j'ai pu me retrouver moi-même. Ça m'a fait du bien d'être toute seule, puis ça fait en sorte que j'apprécie encore plus aujourd'hui être en couple parce que c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Je vais faire une histoire courte dans le fond. Celle-ci, c'est le condo à mon copain. On a commencé à se dater fin janvier. Ça faisait depuis un petit bout que j'avais un œil sur lui, mais la twist, c'est que mon chum, c'est mon boss à ma deuxième job. Je me suis dit, je vais commencer à le texter. Fait qu'on a eu un meeting à notre job, puis après cette soirée-là, je me suis dit, ok, non, comme je veux vraiment aller plus loin que cette personne-là me fait quelque chose, à chaque fois que je le voyais, j'avais un bon feeling, c'est vraiment une super bonne personne, il a le cœur à la bonne place, puis j'avais beaucoup, beaucoup de bons commentaires sur cette personne-là, fait que je me suis dit, let's go, genre, vas-y. Fait que j'ai décidé de le texter après le meeting, on s'envoyait tout le temps des petites jokes, fait que j'ai envoyé une joke, puis finalement, ben ça s'est avéré à qu'on s'est pas lâché, on a pas arrêté de se parler, puis ça s'est avéré aussi au fait que lui aussi avait un œil sur moi. Cette relation a vraiment été vraiment rapide, si je peux dire ça comme ça, mais moi j'ai toujours eu la philosophie que tout ce qui commence vite termine vite. Mais je pense pas que notre relation va se terminer parce que c'est comme une personne ressource pour moi parce qu'il est probablement vraiment plus vieux que moi. On a 16 ans de différence. Là, je vous vois pas, mais je peux peut-être sentir le jugement dans votre regard. Moi j'ai toujours eu aussi la manière de penser que l'amour a pas d'âge. Je pensais pas que j'allais sentir un jour avec un homme de 38 ans. S'il me fallait ça pour avoir une relation saine puis avoir un homme mature, ben, il fallait que j'aille explorer ce terrain. Cet homme-là fait vraiment ressortir le meilleur de moi. Mon courage, il m'a connu avec YouTube, il m'a connu avec le fait que j'aime les réseaux sociaux, que j'aime m'afficher, que j'aime prendre des photos. Puis il me connaissait avant, parce qu'avant, on travaillait ensemble, on était comme amis, tu sais, on niaisait puis tout. Fait qu'il me connaissait déjà avant ça. Fait que quand je suis arrivée dans sa vie, il m'avait accepté déjà comme ça. Fait que ça, c'était un point le plus que moi, je voulais rechercher dans une relation. Il m'apporte vraiment beaucoup de bienfaits. J'espère que tout va continuer de bien aller, même sans seulement on est pris en quarantaine. Mais ce qui a fait en sorte, c'est que tout ce qui, le fait d'être en quarantaine a créé que il m'a offert de venir habiter chez lui, ce qui était déjà dans ses plans. Moi, j'aurais aimé ça le faire plus tard, c'est comme plus vers l'été. Ça s'est avéré à ce qu'on l'a fait comme là. Je s'habite maintenant avec mon copain, je n'habite plus chez mon père. Ça me faisait peur au début, mais c'est vraiment quelqu'un qui te met rapidement à l'aise. C'est quelqu'un qui est vraiment... Excusez, c'est le garage en bas. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment comme très compréhensif. Quand il y a un problème, il part pas à course comme les petits gars que j'ai déjà fréquentés ou avec les gars que j'ai déjà sortis. Il s'assoit puis il parle puis comme ok, on va discuter, on va parler puis tout ça. Je recherchais le plus chez un homme de la maturité. Puis enfin, je l'ai chez quelqu'un. Puis je remercie vraiment l'univers de m'avoir placé cette personne-là sur mon chemin.
parce que c'est ma relation. D'autant plus que c'est la plus saine, d'autant plus que j'ai jamais aimé comme j'aime ce gars-là. Comme vous le savez, comme vous avez pu remarquer, j'habite chez mon copain. Ce qui fait en sorte que, ben, je suis confinée ici, mais mon copain continue à travailler quand même parce qu'ils doivent quand même faire rouler la business pendant qu'il y a le confinement, parce que c'est quand même possible pour eux. Je suis pognée ici, puis tout ce que je fais, c'est être tout seul avec moi-même. Chose qui me fait peur en soi parce que je l'ai été pendant un an et demi. Ça me dérange pas du tout d'être tout seul avec moi-même parce que je me fais plein de petits projets et tout ça. J'ai réalisé, première affaire, j'ai pas fait de liste ni rien, parce que je l'ai dit, je suis zéro une fille organisée, mais vraiment pas. Fait que je me suis dit, je vais pitcher les idées comme que j'ai pensé durant la semaine à vous dire à la caméra. On dit que je dépense trop d'argent inutilement dans des restaurants, des sorties comme que je pourrais rester chez nous puis avoir du fun pareil. Dans de l'alcool, dans du linge, je dépense dans n'importe quoi. Ben, ça doit sûrement être un bon 5, 6 000, c'est pas plus. Mais cet argent-là, si je l'avais pris, je l'avais mis de côté, en ce moment, ben, je serais super à l'aise puis je me dirais, hey, ben, tu sais, tu comprends? Ça fait 2 semaines que je suis en confinement, que comme on peut plus sortir. Puis ça fait 2 semaines que moi et mon chum, on se fait à manger toutes les soirs. Puis lui, il est excellent, ça, je l'ai pas précisé, mais c'est un Italien. Puis à chaque fois que j'ai quelqu'un que je sors avec un Italien, il me dit tout le temps, première affaire, il doit bien cuisiner. Puis oui, effectivement, je vous confirme, je sais pas tous les Italiens, mais lui, il cuisine tellement bien. On cuisine ensemble tous les soirs, puis on essaie de trouver des idées, puis tout ça. Des fois, c'est moi, des fois, c'est lui. Tu sais, moi, quand c'est moi, ça se peut que ça soit du pâté chinois. Un autre step, mettons, que j'ai pris en venant habiter avec lui, c'est comme en réalisant que tu peux te faire à manger chez vous, là. T'as pas un temps sur la gun qui te dit « Ah ouais, va manger chez Barbie's! » It was at this moment that she knew she fucked up. T'as pas personne qui t'oblige à ça. Fait que je me rends compte que quand la quarantaine va être terminée, je vais slacker les restaurants, puis je vais y aller quand que ça va être comme une occasion spéciale. Je vais prendre le temps d'aller... Tabarnouche, excusez. Vous me le dites si je parle trop vite, parce que sérieusement, je suis en train de prendre mon pouls parce que ma caméra est en train de flasher qu'il manque de batterie. Fait que j'essaie d'accélérer le processus un peu. OK! Bon, du vin chaud. Je prenais pas le temps d'aller marcher, puis tu sais, on essaye grand fort avec mon chum, que quand il vient de travailler, on va essayer de prendre une marche, puis tout ça. C'est dur de pas aller, d'aller prendre une marche toute seule quand t'as pas de chien. Ah, mon amour! C'est plate, hein? Pas de chien à la maison, c'est long tout seul. On se comprend. La caméra a coupé, fait que j'étais rendue où? Au fond, c'était comme une vidéo quarantaine, slash life update, slash on parle, slash on prend du vin. J'avais juste le goût de jaser avec vous. Oui, c'est plate, puis je suis pas là pour vous conscientiser puis dire hey, restez chez vous, je pense que vous êtes assez vieux, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Si t'as un job normal comme moi, fermé en ce moment, que tu continues à sortir puis à te promener puis à toucher à tout comme si de rien n'était, ben t'es juste cave parce que tu fais en sorte de repousser encore plus la réouverture de ta job. Fait que j'ai eu des gros downs. Ouais. Je sais pas qu'il fait le soleil, je suis tout le temps full heureux. Puis une chance que mon chum est là pour tout le temps me supporter dans quand je file pas ou quand je vais pas bien. Je voulais te dire. Je pense que rendu là, on peut se tutoyer après presque 2 ans qu'on est sur YouTube. Hein, je pense qu'on peut se tutoyer, toi pis moi. Si t'es tout seul, ou si t'es avec quelqu'un, si t'es avec ta famille, c'est important de passer du temps de qualité. Si t'es tout seul, je suis vraiment désolée pour toi. Hey, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Faudrait que je me fasse à manger. Faudrait vraiment que je commence à bouger. Ouais. Faudrait. Hey, ça, ça m'énerve. Excusez-moi, je vais l'enlever. Je suis plus capable, ça me gosse, ça me tire la tête. Trois affaires à retenir. Passer de ça à ça. Okay. Trois affaires à retenir que je voulais vous dire avant de que vous quittiez la vidéo, à moins que vous l'ayez déjà quitté. C'est important de réaliser le moment présent. C'est important d'aller dehors. Va dehors, mais essaye de pas toucher à tout. Et prendre le temps de se faire à manger, prendre le temps de dire je t'aime. Prends le temps de serrer tes proches dans tes bras. Non! Tu peux pas les serrer dans tes bras, t'as pas le droit! C'est ça. On va finir ça de même. Je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de compassion pour toutes vous et vos familles. Je vous aime fort, puis je vous envoie plein d'ondes positives. Que tu sois infirmière, médecin, ou que tu sois chez toi en quarantaine, ou que tu as quelqu'un qui a le COVID-19. Écoute, je vous supporte à 100 000%. Vous êtes bon dans tout ce que vous faites. Lâchez pas. Si on suit les règles comme faut, on va s'en sortir dans pas très longtemps. Fait que, gardez le sourire. Ça va le sourire, essaye de boire du vin. T'essaieras de faire ça? Bye! J'ajouterai un petit effet de ralenti à fin. Peace! Peace up. Hey,